Miam, 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 c'est délicieux du vin blanc. Où est l'été, Dom? Où est l'été? On va encore passer le Wendland parce qu'après le Wendland, on doit arrêter de boire parce qu'on doit conduire après. Miam, miam. Boug. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait ici? On attend à la douane depuis une bonne heure et c'est loin d'être fini. On n'a pas sorti de l'auberge, hein, je vous le dis. Bien arrivé dans notre premier motel. Avec des toxicomanes devant et une famille gitan qui habite sur le parking. Voilà, on a bon. Un frigo chaud. Un frigo chaud avec un coca light dedans. Qu'est-ce qu'on fait quand le frigo ne va pas et que le micro on a bien nettoyé? Eh ben le frigo, pour nos jupilaires, c'est la clim. Voilà, ça a été défoncé plus d'une fois. À cause de qui? Les gitans. Et l'homme là, je ne vais pas le filmer en fait, parce que s'il nous voit... De deux choses l'une. Les voisins fument de la Marie-Jeanne, en plus de boire les bières. Ça sent la et moi qui collectionne les canettes de Dr Pepper, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des 50 qui existaient, bordel de merde. On a rapproché la voiture pour pas qu'on nous pète les vitres. Est-ce qu'il serait pas temps d'ouvrir une Jupiler bien fraîche grâce à la clim? Santé. Vive la Belgique qui vive le roi. On est à littéralement 20 mètres de notre motel, on comprend rien à ce qui se passe. Il y a un mec avec une perruque et un t-shirt Motley Crue qui parle. Il y a du cidre Stella. C'est où? C'est bon, on l'a vu. Je ne l'ai pas vu, mais on l'a vu. On n'a rien compris. Et Jérémy a l'air d'avoir moins de 21 ans parce qu'il a dû montrer sa carte d'identité. Premier truc de burger qu'on fait, il y a Dino Burger comme chez nous, qu'est-ce qui se passe? Mon couteau s'appelle Gaucho, qu'est-ce que c'est que ce pays? Je pensais que j'étais chez les droitards, What? Il a dit que tout le monde avait eu 29. Fuck. Nous voici au jardin des cascades, alors qu'est-ce que t'en penses? C'est gratuit en plus, tout qui est payant dans ce pays, eh ben pas ça. On a trouvé même un parking gratuit, alors là, avant d'aller au basse-ball. Et un mec a dit que mon t-shirt hybride était très bien. Alors qu'il est moche, pas plus ça, mais bon. Ouais. J'ai vu ma pilule. Putain, quelle pilule. T'as un tox aussi? Non. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Enfin, il est marqué dessus. En fait. c'est de l'eau, c'est pas de la bière, c'est de l'eau. Et ça, mon pauvre, mon vieux, c'est délicieux, c'est je savais même pas que ça existait. C'est de la drogue, ça, ça, sent, ça va être mon nouveau coca-pi, je vais encore déprimer en Europe parce qu'il n'y en a pas. Tu prends une photo du beau Florian ou de la Batmobile? Allez, baseball. Alors, ce délicieux hot dog des Mariners, qu'est-ce que t'en penses? Non, putain, c'est délicieux. Et voilà, là on va au basse-ball. Là on va au basse-ball pour de bon. Voir les Mariners de Seattle. Et s'il faut se battre, on se battra, hein, surtout Flo. Bien ou bien? C'est jeudi midi, rempli, la bouffe partout. Les gens ne travaillent pas ici. Voilà, centième bière locale goûtée, pas mauvais, contrairement à celle-là qui est dégueulasse. Et le match va bientôt commencer. On a pris la place la moins chère, 10$, et on est super bien mis. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ici? Alors, on a prié en regardant le drapeau américain. Qui est là. Donc, on peut pas faire semblant parce que tout le stade nous regarde. L'hymne national chanté par une femme, tout le monde se lève, main sur le cœur, et dit plus rien. Feu d'artifice. Je rappelle qu'on est jeudi, qu'il est midi. Feu d'artifice pour l'hymne national qui partait de là. C'est une autre culture. Ah, bien bon par contre. Hein. Frito crabe bien ou bien? Oula, ma grosse main devant la caméra. On ne comprend jamais ce qu'on doit faire ici.
Les gens se lèvent, on sait pas pourquoi. Alors, moment de vérité, est-ce qu'on a une amende ou pas? Ceci est notre délicieuse voiture. Ah, pas d'amende. On va pouvoir mettre nos canettes dedans et la laisser là. C'est dit, la grande roue pour voir la baie de Seattle, bonne idée. Sauf que déjà j'ai le vertige et qu'en plus la porte n'était pas fermée, on a fait un tour avec la porte ouverte, on a dû être évacué. Voilà. Et les gens pensent que c'est nous qui l'avons cassé. En plus. Ce qui est vrai, sûrement. Oui. Peut-être un peu jouer avec les joints. Salut. Long Island Iced Tea avec pas d'Iced Tea et du Coca. C'est bien ici. Ah, franchement, c'est dégueu, mais au moins ça goûte l'alcool. C'est ça dans les plus vieux saloons de Seattle. Ah oui, d'ailleurs, Nirvana a joué ici pour 8 dollars à l'époque. Iced Tea. Et Soundgarden a joué ici, on va faire l'affiche là. Plus 10 groupes pour 4 dollars à l'époque et Alice in Chains 10 fois. Et voilà. C'est ça le rock. Quel connard. Je reviens derrière le bar au café de Nirvana, ça va ou quoi? Ah, on est déjà chez nous, il y en a plus. Tu me mettras deux bières? Hein? Tu me mettras deux bières? It's summertime. On a pimpé ta caisse. De la pâture écaillée, une putain de spinner magnifique. Petit lapinou, il est tranquille au milieu de Seattle, il s'en va. Au revoir. Au revoir petit lapin. Oh non, il revient. Merci. Je reviens pas à quel point c'est bon, hein. Putain. Nous faisons une petite pause après avoir acheté des vinyles dans un magasin un peu paumé au milieu de nulle part où nous avons acheté. J'ai acheté un vinyle de Leviathan, groupe belge que personne connaît. Qu'est-ce qu'ils foutent là, je ne sais pas. Ça, je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'était 7$, ça valait intéressant. Hein? C'est peut-être des nazis, c'est peut-être des antifas, on ne sait pas. Les deux sont possibles. Et il y avait aussi le groupe Asile de Mons, je crois. Petit groupe punk. Et les vendeurs nous ont conseillé le groupe Acide de Belgique qu'on ne connaît pas. Personne ne sait ce que c'est, mais eux connaissent. Un magasin spécialisé en groupe belge inconnu. Voilà, voilà. C'était ça. Bienvenue en Amérique, on a des trucs de chez nous. Putain, San Francisco, c'est quand même une sale ville. Hein. Oh yeah, Profanatica ou quoi? T'es prêt pour le show? Non. Malo? Apéro! Oh non, ah, mais si. Ouais, on dirait que c'est tout petit, mais c'est... J'ai jamais vu un truc aussi gros de toute ma vie. Alors, vraiment, on va acheter du merch? Oui. Vous achetez en lui. Santé. Santé, de l'araignée. Pas de l'araignée, de la... Rainier. Le drapeau pour Fanatica et le casque Butterfly. Thank you.
voilà, c'est beau, hein. C'est beau, Seattle. Jérémy a bon de conduire ici. Les camions le dépassent parce que personne ne respecte la limitation. Ouais, bah là, je suis un peu en dessous de la vitesse limite aussi. Ah, bah oui, t'as trop vu. Non, mais lui, il est. Moi, j'ai trop vu ta mère. C'est une preuve, machin. Voilà, je le mettrai à la... chez Jacobi en rentrant. Jacobi, il va m'entendre. Il va m'entendre. Ah, bah, et t'auras un petit PV. Ben j'espère que ce sera un PV américain parce que. Ah non. Parce que ah tu ouais. devras mettre le tip et la taxe. Oh non, j'en ai et marre. Si tu payes par carte, tu devras payer 3 euros au moins de là. J'entends encore parler une seule fois d'un tip de 25 euros là, à 25%, et je pète ton téléphone en deux. Ah, on ne va plus. Et hop, le Space Needle. Ouh. On ira là. Et c'est là qu'on te voit de mer en plus. Tu peux tenir le volant pendant que je regarde. Ouais. Plein milieu du caillon ici. On veut rentrer tranquillement chez nous, on se retrouve dans une ville gigantesque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? On n'a pas le droit juste On habite à Renton tranquille et là qu'on se fait chier à traverser Seattle. Ah, les commerciaux, rien compris. Une salle de concert aussi là. Oui, ben ça, j'avoue. On y va? Non, il n'y a rien. C'est pas merde, non? On ira au. Barhouse. Attends. Quelle belle ville. Même les grues sont illuminées en bleu. Putain. Oh là. C'est un flash ça. Ah, non, c'est un appel de phare parce qu'il trouve que je vais pas assez vite, mais je suis à la vitesse limite. Je vais me faire dépasser par le shérif. Jérémy qui fout de la crème solaire. Alors qu'il fait gris, hein. Notre voiture, ah non, c'est celle-là, n'est pas sur des parpaings. Il y a les petits chats. Oh, merde, ils sont où? Non, ils sont partis, les petits chats. Ah, on pousse. Ils sont à voir Barbie comme des vrais hommes ou Oppenheimer comme tous ces PD. On va aller au concert de Tyler. Voilà ce que je dois supporter. Alors, il y a Tyler Swift qui joue en ville, donc c'est le casin, comme vous pouvez le voir. On a pris nos places, hein. Ils l'ont peut-être réellement fait, hein, pour me contrarier. On est en festival, on n'a pas compris, on voulait juste aller au Space Needle. C'est excellent. Alors, d'après vous, téton ou baleine? Nous, on n'arrive pas à se décider. Faudrait faire un sondage. Ça, je dis rien, mais bon... Fanatica. On s'est chopé avant Taylor Swift. Est-ce que le rail peut s'écrouler? Anina, optimum breath. The monorail. Et voilà le bunker. Le gros, je l'appelle Morticator. Et c'est du sport, elle m'en aurait bordel de merde. Je comprends la question d'un pouls. Allez, ça sa carrette. Alors, ça fait quoi de manger debout? Ça me casse les couilles. Parce qu'il n'y a pas de place pour les tables en fait. Qu'est-ce qu'on fout au festival? Aucune idée. Ils sont intéressés par le concert. Hein. Voilà, et 9$, olé. Écran un peu géant. Pour du Madness. Musée sur Nirvana.
avec des objets de collection. J'avoue que j'ai une petite érection. Encore plein de trucs qui ont été utilisés pour des films. Les lunettes d'Harry Potter. C'est enfoiré. Et le casque de Gimli. Gimli. Salut gros, ça va? C'était des vraies têtes, hein. J'ai une tête ici. Une tête. On est dans l'espace, mais je ne sais pas, je ne comprends pas, commandant. Alors, on va aller sur l'étoile. C'est parti. Il va foutre la merde dans notre cabine. Bah, c'était rapide et pas terrible. Mais ça te porte, mais maintenant on peut utiliser. Alors Bramar, qu'est-ce qu'on a? Du black metal belge, acheté à Seattle, évidemment pour trip, la ville Seattle, j'étais obligé. Et ça, aucune idée de ce que c'est, mais vu que c'est à 6$ et avec la souillure nous entrons, je me suis dit j'achète. Et lui, qui n'a pas de platine, a dit si Anine fait, j'achète. Et avec quoi Anine fait, boum, super cher. Et mais sur les 30 bacs du Light Indiatic, il y avait Anine fest. Alors il a c'est été obligé. C'est moi qui déteste les lives, sans platine, on est bien. Là, il n'a pas de platine, il n'aime pas les lives. Il a acheté presque 60$ à vinyle. C'est parfait. Et ça, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est bon. Je l'ai déjà dit au moins 3 fois. C'est un délire. Bon, j'avais oublié que large menu c'était large, 1 litre de Dr Pepper. Oui, McDonald's, parce que tout ferme hein, ici. Alors, on a notre café à côté de notre motel où il n'y a rien aux alentours et c'est rempli tous les jours. Il faut que ça reste chez nous. C'est abusé, hein. C'est, mais non, mais c'est vraiment rempli tous les jours. Le McDo ferme à 7h et à 9h, voilà. Mais à 9h, le café est blindé, tout le monde est saoul, tout le monde gueule dans la rue. Samedi, minuit, faites la balade nocturne sur le Ravel Underthroad. On a entendu un serpent sonnette alors qu'il fait noir. Est-ce que le pompe s'écroulait ?